On va jouer contre l'Algérie, une équipe très forte, une très bonne équipe. Nous aussi, nous sommes très bons et je suis confiant que si on joue avec la même détermination qu'on a joué contre l'Égypte, on va passer. C'est vrai, hein ? C'est vrai, hein ? Je pense qu'on va passer et honnêtement, moi, je n'ai peur de personne. On a un match très important le mois prochain à Douala. Et le match retour, je crois, c'est à Alger. On ira là-bas confirmer notre victoire et l'objectif pour nous, c'est le mondial. C'est le mondial et nous le savons. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On a travaillé. J'ai travaillé toute ma vie pour jouer ce genre de match. Donc, je ne me vois pas en novembre regarder les autres équipes à la télé. Non, il faut que je participe. Je compte bien le mondial. Ce groupe-là compte à dire le mondial. Nos supporters, ils veulent nous voir au mondial. Tout le pays est mobilisé pour qu'on aille au mondial et on va tout donner pour y aller. Le mondial, pourquoi pas ? Gagner comme on a gagné là, ça n'efface pas la déception, mais ça comble un vide. On en a comment vous avez trouvé l'équipe Burkinabé ce soir ? Une très bonne équipe. L'équipe qui nous a créé beaucoup de problèmes. Mais on a démontré que nous sommes meilleurs et c'était le plus important pourtant. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de critiques. Ça vous fait du bien de reconnecter avec le public ? Ouais, il y a beaucoup de critiques partout, que ce soit en club, ici, après, tu t'habitues à ça. Et les critiques font partie du jeu, vous savez, il y a des critiques positives. Et comme je l'ai dit en conférence de presse, on a une équipe jeune. C'est important de protéger le groupe. S'il faut critiquer des gamins, s'il faut critiquer des gars, il faut me critiquer moi. Je suis prêt à recevoir toutes les critiques. Je veux protéger mon groupe. On a un groupe incroyable, formidable, donc il faut qu'on se prépare pour les échéances à venir. Et s'il y a quelqu'un qui est responsable des erreurs, il y a quelqu'un qui est responsable des défaites, c'est moi. Justement, André, est-ce que cette victoire, cette troisième place, va permettre un peu de ramener du calme au sein de la tanière des joueurs d'Ontario ? La tanière a toujours été calme. La preuve, vous l'avez vu aujourd'hui, après trois buts, on a terminé trois buts, on est resté serein comme d'habitude, on a égalisé, on nous sommes passés. Ce groupe, il est magnifique, il vit bien, on est serein, on est tranquille. Serein, mais quand même, il a fallu trouver de la force mentale quand même, avec un tel public hostile à un moment. Oui, mais ça fait partie du jeu. J'ai connu des publics plus difficiles. Après, c'est le football. Shit happens in life. Aujourd'hui, s'il faut prendre des buts pour gagner à la fin comme ça, bah, je serai le premier à marquer dans mes goals. Quel bilan tirez-vous ? Vous n'avez pas gagné le trophée, c'est dommage. Et vu la série ce soir, qu'est-ce que vous retenez ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des troisièmes places qui dépassent des premières, honnêtement. Avoir ce trophée c'est de cette manière, c'est quelque chose de bien. Ça va être bien pour la confiance avant les éliminatoires, les barrages. La confiance n'est jamais partie. On va jouer contre l'Égypte. On va jouer contre l'Algérie, une équipe très forte, une très bonne équipe. Nous aussi nous sommes très bons et je suis confiant que si on joue avec la même détermination qu'on a joué contre l'Égypte, on va passer. C'est vrai, hein. Je pense qu'on va passer et honnêtement, moi, je n'ai peur de personne. On a un match très important le mois prochain à Douala. Et le match retour, je crois, c'est à Alger. On ira là-bas confirmer notre victoire et l'objectif pour nous, c'est le mondial. C'est le mondial et nous le savons. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On a travaillé. J'ai travaillé toute ma vie pour jouer ce genre de match. Donc, je ne me vois pas en novembre regarder les autres équipes à la télé. Non, il faut que je participe. Je compte bien le mondial, ce groupe-là compte à dire le mondial, nos supporters, ils veulent nous voir au mondial, tout le pays est mobilisé pour qu'on aille au mondial et on va tout donner pour y aller. Le mondial pourquoi pas, l'Inter, c'est une nouvelle victoire. Je suis joueur de l'Ajax, donc